Alors, sur ce tableau, il s'agit donc de faire calculer la quantité totale pour les trois villes qui ont été vendues par chaque commerciant. D'accord? Donc, vous avez en colonne E à calculer la somme pour Paul de ce qu'il a vendu à Petit Canal, à Bouillante et aux Abîmes. Donc, pareil, trois méthodes. Soit vous utilisez la méthode avec en créant votre propre formule. Donc, toujours on commence par le signe égal et on additionne les différentes valeurs des trois villes et on fait entrée. Deuxième méthode, on utilise la fonction somme égale somme. On double-clique sur la fonction qui apparaît avec l'assistant d'Excel et je sélectionne les valeurs pour lesquelles je dois faire la somme. Troisième méthode, j'utilise la somme automatique. Je clique et ça me sélectionne bien mes trois valeurs et je fais entrée.